Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or d'Emma Watson. Dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses. Brièvement, qui je suis, qui est Emma Watson et enfin les 10 règles d'or de Emma Watson. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle OG Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et du contenu du blog responsabledaffaires.fr sont consultés 24 heures chaque jour. Je travaille également 10 heures comme salarié dans le domaine du génie climatique et je pratique une heure de sport chaque jour. D'une façon générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Emma Watson? Emma Watson est née le 15 avril 1990 à Paris. C'est une actrice britannique née en France de deux parents qui étaient avocats à Paris, des avocats britanniques qui travaillaient justement sur les affaires internationales. Et lors du divorce de ses deux parents, elle est retournée en Angleterre. Elle a été très connue notamment à travers le rôle qu'elle a joué, Hermione, dans Harry Potter. C'est ce qui lui a permis dans son jeune âge d'être reconnue, découverte par le grand public. Et notamment dans ses derniers films qu'elle a réalisés, on peut constater La Belle et la Bête, un grand classique du cinéma qui très souvent est revisité et pour lequel dans les dernières versions, elle a été l'actrice principale. On va maintenant voir ses 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors, quelle est la première règle d'or d'Emma Watson? C'est prenez la route la moins fréquentée. Et elle explique que prendre la route la moins fréquentée est un très bon signe parce que ça veut dire que cette route-là paraît difficile. Et comme vous êtes déterminé, motivé à réussir, cette route-là, vous allez réussir, vous, à l'emprunter parce que les autres la voient, mais ne veulent pas l'emprunter parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir y arriver. Vous êtes déterminé, tu es déterminé à pouvoir réussir et atteindre la destination que tu souhaites. La route que tu souhaites emprunter, personne ne l'emprunte pour aller dans la destination que tu veux aller. Mais la bonne nouvelle, c'est comme tu es déterminé, tu es discipliné, les choses vont être faciles. Et c'est ça finalement, cette première règle d'or qui est très intéressante, c'est de prendre cette route la moins fréquentée. Quelle est la route la moins fréquentée pour atteindre la destination que tu souhaites atteindre? Et comment vas-tu t'y prendre pour justement réussir à rester discipliné et déterminé à aller au bout de cette route? Deuxième règle d'or, c'est ignorer les critiques. On l'a déjà vu à travers d'autres règles d'or, mais je me permets de te le rappeler, les critiques sont des interférences pour toi. Ta personnalité a un potentiel grandiose et la performance que tu réalises est égale à ton potentiel moins d'interférences. Les critiques font partie de ces interférences qui vont en fait diminuer ton potentiel et ce qu'on souhaite, c'est avoir le meilleur rendement possible pour pouvoir justement atteindre nos résultats, atteindre les objectifs que nous fixons. Et les critiques vont paralyser puisque tu vas avoir des croyances, des pensées qui vont revenir et dans ton langage intérieur, tu vas penser, lorsque tu vas discuter avec toi-même ce qui arrive tout le temps pour chacun d'entre nous, tu vas en fait te dire, voilà, il a dit ça, et plus la personne va être influente sur toi, plus cette phrase va limiter en fait ton libre arbitre, ta capacité à être fluide, à être lucide et à être très très pertinent lorsque tu interviens. Troisième règle d'or, c'est relever le défi de la vie. Relever les défis d'une manière générale, mais encore une fois, on l'a vu avec la route la moins fréquentée et de l'emprunter. Quand tu relèves le défi, quand un défi t'est posé et tu te dis « je suis en mesure, j'ai envie de répondre à ce défi parce que je suis motivé », toute ta détermination se met à être présente, tu commences à construire un raisonnement mental, à réfléchir, à te dire comment je vais organiser tout ça. Et après, tu vas travailler sur tes routines pour te discipliner, c'est-à-dire comment tu vas travailler au quotidien sur ces actions qui vont te permettre d'atteindre la destination. Et tu n'as plus qu'à appliquer quotidiennement tes actions, réfléchir et vérifier que les actions que tu réalises sont bien pertinentes pour atteindre et relever le défi. Mais relever ce défi quand il te passionne va te permettre de trouver des ressources en toi que tu ne connaissais pas encore avant de démarrer le défi. Quatrième règle d'or, c'est soyez passionné. Très étroitement lié avec ce qu'on vient de se dire, la passion, c'est ce qui permet de relever le défi, c'est ce qui permet de se lancer sur les objectifs qui sont les nôtres. Lorsque tu es passionné par quelque chose, tu peux
consommer, travailler, t'entraîner, répéter de manière constante, parce que pour toi, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de toi, qui te motive, qui te stimule. Lorsque tu n'es pas passionné, par exemple, à apprendre une poésie parce que ça ne t'intéresse pas d'apprendre telle ou telle poésie, il t'est beaucoup plus difficile de les apprendre. Par contre, quand tu lis le texte d'une poésie ou d'un texte qui te plaît beaucoup, une citation qui te plaît beaucoup, force est de constater que très facilement, on va réussir à retenir parce qu'on a l'attrait, le plaisir de vouloir apprendre. Et donc, l'effort devient très simple, très, on va dire, fonctionnel pour nous. Cinquième règle d'or, c'est aimez-vous. Comment réussir à entretenir de bonnes relations avec les autres? Comment réussir à avoir confiance dans les autres quand on n'a pas confiance en soi, quand on n'aime pas qui nous sommes? Et aimer qui nous sommes, c'est accepter de faire le constat régulier dans sa vie, de se dire comment je suis aujourd'hui, est-ce que je me plais aujourd'hui comme ça, ou quels sont les traits qui ne me plaisent pas et que je dois modifier, sur lesquels je dois m'améliorer. Et faire ce constat, faire ce bilan intermédiaire entre plusieurs sessions, c'est s'autoriser des actes de progression et s'autoriser à se mettre en mode « je veux m'améliorer et je suis déterminé à m'améliorer pour pouvoir prendre plus confiance en moi, plus m'aimer et surtout pouvoir, à mon tour, aimer davantage les autres autour de moi. » Sixième règle d'or, c'est faites tout. Faites tout ce qui est possible pour atteindre vos objectifs, relevez les défis qui sont les vôtres. On l'a vu, vous allez être déterminé pour réaliser un objectif qui vous tient à cœur et vous allez vous mettre dans une discipline qui est nécessaire pour réussir à atteindre vos objectifs. Et dans cette discipline, vous devez faire toutes les actions qui sont nécessaires et qui sont importantes pour relever l'objectif. Il faut se concentrer sur ces actions-là. Et certaines, il va falloir se déterminer à les réaliser parce que pour nous, elles paraissent pas forcément innées, faciles ou possibles à être réalisées maintenant parce que ce n'est pas encore le nous du futur qui réalise ces actions. C'est le nous de maintenant, et le nous de maintenant n'est pas encore forcément très éduqué, très habitué à réaliser ces actions-là. Septième règle d'or, c'est fait ce que tu aimes. On en revient à la passion. Faire ce que l'on aime est très simple et facilite tous les processus, toute la façon que nous avons de gérer notre temps, toute la façon que nous avons à nous épanouir, toute la façon à voir que nous sommes productifs. C'est absolument sympathique. Huitième règle d'or, c'est vous ne prenez pas trop au sérieux. Vous pouvez être quelqu'un de très déterminé, quelqu'un de très discipliné pour justement atteindre vos objectifs avec ces deux ingrédients qui sont clés, la détermination et la discipline, mais pour autant vous devez réussir à être léger, d'être amical, d'être sympathique, de savoir plaisanter, de savoir vous divertir et divertir les gens autour de vous de manière cordiale et agréable, parce que c'est aussi ça la vie. Ce n'est pas forcément être uniquement discipliné, uniquement déterminé à vouloir être sérieux et faire les choses avec sérieux. On peut très bien atteindre des résultats extraordinaires avec de la dynamique, du sourire, de la présence et aussi en étant ouvert auprès des autres autour de nous. Neuvième règle d'or, c'est rester debout pour quelque chose. Pourquoi es-tu debout aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait arriver devant cette vidéo YouTube? Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui? Quelle est la chose que tu as en tête, que ton langage interne, que ton dialogue interne se dit depuis ce matin quand tu t'es réveillé, sur pourquoi tu t'es levé ce matin? Quelle était la pensée que tu avais ce matin en te réveillant? Et pourquoi tu es ici? Et quand tu as cette forte raison, les choses sont beaucoup plus simples. Quand tu sais pourquoi tu te lèves, quand tu sais ce que tu as à accomplir, ta détermination progresse et ta discipline n'a plus qu'à se lancer. Dixième et dernière règle d'or, c'est de s'amuser. Amuse-toi, prendre des moments. Quand tu travailles, travaille. Et quand tu t'amuses, amuse-toi. Prends du temps pour t'amuser, pour te divertir, pour trouver des moments agréables, de fréquenter les personnes qui ne vont pas te parler de travail parce que dans l'environnement dans lequel tu te trouves ou les personnes qui sont avec toi là-dessus ne vont te parler que de divertissement, de films, vont te parler de dynamique, de soirée, de choses agréables et qui vont te faire penser ou en tout cas te concentrer sur complètement autre chose que ce que tu faisais aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu et à télécharger en remerciement dans la description de cette vidéo 7 défis anti-routine. Et si c'est déjà tout fait, à gauche tu découvriras la dernière vidéo de la chaîne YouTube et à droite l'une des vidéos sur lesquelles tu portes un intérêt en ce moment, c'est YouTube qui le dit. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.